Bon allez, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Cet après-midi, on coule la dalle. Il me reste à surélever tous les treillis. Faut que je reprotège les poteaux pour éviter que ça les salisse. J'ai déjà mis du scotch sur la bouche d'égout pour éviter que du béton tombe dedans, mais normalement ça devrait le faire. Allez, c'est parti. La suite. Donc là, on peut voir, il y a trois poteaux, il y a des sous-plans de dalle du coup. Là, j'ai trois grandes poutres qui traversent, donc qui reposent sur ces poteaux, sur les trois poteaux d'ici. Et après, toutes mes petites poutrelles, en fait, elles vont être dans le sens de la longueur. Donc là, on a pris notre décision. On va continuer le mur derrière et le monter jusqu'à la hauteur des petites poutrelles. Parce qu'en fait, on n'a pas vraiment envie d'enlever des pierres dans ce mur pour rentrer les petites poutrelles, parce qu'en fait, on se rend pas trop compte en vidéo là, mais le pignon il penche vachement sur l'extérieur. Je vais aller vous montrer de dehors. Donc voilà côté extérieur. On se rend vachement compte que
le pignon il s'est décalé. Et du coup, c'est pour ça que j'ai gardé ces trois poutres. Le jour où on démonte le toit, je pourrais caler comme ça le pignon jusqu'en face. Ça sécurisera. Ouais, quand on regarde comme ça, il y a bien 30 cm de décalage en haut par rapport à en bas en fait. Du coup, donc là, on va rebâtir un mur. Jusqu'en haut, il y a nos petites poutrelles viendront se poser dessus comme ça. Allez hop, on continue. Bon allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Hier on a coffré ça, on n'a pas filmé parce que ça reste un coffrage mais il n'y a rien d'intéressant. Du coup là il me reste, je vais mettre des pierres tout le long pour pas qu'il y ait du ciment qui tombe derrière, ça sert à rien de tout remplir. Il me restera ferrailler tout le long des poteaux. Allez, let's go. Thank you.
il va derrière son écran? Moi, ça va super bien, franchement, je suis super content. Ces deux dernières semaines, on a avancé au top. Pour le moment, tout s'enchaîne, donc pourvu que ça continue comme ça. Ah oui, aussi, bienvenue aux 4000 nouveaux abonnés depuis la dernière vidéo. Franchement, c'est le top, vous êtes de plus en plus chaque semaine, donc merci beaucoup. D'ailleurs, en parlant de la dernière vidéo, on approche les 400 000 vues, franchement, c'est un truc de fou. Je vous remercie pour tous vos commentaires bienveillants sur la dernière vidéo, franchement ça fait trop plaisir, ça motive, merci beaucoup. Sur ce, pour moi, le week-end commence, là je vais aller me barrer une petite bière, finir le montage de cette vidéo, me reposer, et à toi je te dis à la prochaine. Allez, ciao !